Hier à Auriol, vous avez été reçu par un superbe arc-en-ciel. C'était la journée internationale des droits des femmes. Vous avez été reçu au Festifam, créé par Eilan Zayan, avec les artistes Amy London, Véronique Morin, Alison Kisney, Charles Lintrus et on stage Isabelle Parsi avec la belle-mère Festi Art Stand d'artisanat au féminin avec Jayanne, Marise Belvert, Corinne Bénard, Raymond et l'association La Renarde Inès Forever, les amis. De plus, on a pu rencontrer Léa Bertel, Bien-être Beauté Visage, et aussi Cassiopeia Photographe. Un grand merci à la ville d'Auriol et à sa mère Véronique Micheli pour son accueil chaleureux, ainsi que la présence de Bruno Gilles. C'est un festival qui a une renommée nationale, donc je suis très honorée de recevoir le Festifam depuis 3 ans dans cette magnifique salle de la Confluence. Et j'ai à mes côtés une personnalité qui a soutenu fortement pendant presque 30 ans le Festifam sur Marseille, donc qui aujourd'hui est à Auriol. Et c'est avec vraiment beaucoup de joie parce que je suis déléguée métropolitaine à la lutte contre les discriminations femmes-hommes et c'est évidemment un combat que j'ai à cœur de mener, la défense des droits des femmes. Et ce soir, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur avec de l'humour. Alors c'est une journée importante et donc je suis très heureux pour cette journée importante d'être à côté de mon amie Véronique Micheli, la maire d'Auriol. Et quand elle disait qu'elle était heureuse d'accueillir le Festifam à Auriol, ben moi j'avais un peu de nostalgie que Festifam ne soit plus à Marseille. Mais écoutez, c'est très bien que le flambeau ait été repris par la ville d'Auriol et Véronique, et c'est vrai que c'est des dizaines d'années qui viennent de s'écouler derrière Eilan Zayan, parce que qui dit Festifam dit bien évidemment Eilan Zayan, et depuis quelque temps elle le dit, ça va être mon dernier. Écoutez, on espère quand même qu'il y en ait encore beaucoup, et c'est énormément de souvenirs et de bons moments, donc très heureux que ça perdure ici dans la belle commune d'Auriol. Donc ce soir c'est une belle soirée pour les femmes, mais une belle soirée aussi pour les hommes, même si on sera uniquement, logiquement, dans la salle. J'ai dit des pépites de l'humour au féminin, puis on avait Charles de Martigues, le seul mec du festival, mais qui déménage. D'ailleurs, il a donné une date, allez le voir à la Comédie des Suds à la fin du mois de mars, je ne sais plus la date. Il me semble que c'est le 27, il me semble. Regardez les réseaux. Voilà. Eh ben, sinon, je suis très très heureuse d'être ici, parce que le public a répondu encore présent. Et cette année, c'est une année particulière. Il y a plein d'artistes qui sont venus me voir de loin et je suis contente de voir que les fidèles viennent d'année en année. Au bout de 29 ans, je crois que ça y est, je suis une adulte, je suis grande maintenant. Oui, il y a Aziz qui vient de Paris, il a fait les grosses têtes, mais il m'a dit je ne peux pas rater ça. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme et de l'humour au féminin, donc on va parler surtout des femmes. Merci Eliane. Merci à toi. I'm Amy London, and I'm your new English teacher for tonight. Okay, are you ready for the English lesson? Je suis ravie d'être là, enchantée, je m'appelle Amy London. Je viens du nord-est de la France et je me suis installée à Marseille il y a tout juste 2 ans et demi. Vous êtes très bien et je suis très contente d'être avec vous. Je me présente, Véronique. Est-ce que tu aimes la mauvaise? Je sais très bien, j'ai l'âge d'adulte dans le corps d'une gamine. Ouais, moi je suis un peu le rêve des pervers et des pédophiles, tu vois. Alors pour le festival aujourd'hui, moi j'ai décidé de mettre vous public à l'honneur. Je parle peut-être de plus, t'es. Juste les jambes et le cucu. Voilà, au contraire, la tête et les titis. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, pas sur ce fauteuil, il est fragile. Ça n'a rien à voir avec votre gabarit. Et prenez plutôt le gros pouf. Ça ne risque rien, vous y serez beaucoup plus à l'aise. Écoutez, mademoiselle, je suis très heureuse que nous ayons cette petite entrevue, vous et moi. Je suis certaine que nous avons, étant quasiment de la même génération.
Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.